Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto nail art et je vais utiliser cette plaque de chez Bon Pretty, une plaque qu'avec des petits points. Les motifs sont composés de petits points, tout simplement. J'ai trouvé ça intéressant pour voir si ça stampe bien, parce que des petits points, c'est pas évident. Je vais utiliser ce joli vernis qui rappelle un peu le printemps qui arrive. Et on y va pour la base, bien sûr, et la première couche de vernis. Deuxième couche. Si ça, ça sent pas le printemps. Et on va attaquer la petite plaque. Je vais utiliser un vernis comme ça et un vernis blanc pour stamper avec le joli tampon magique et on y va. Je vais prendre la couleur dorée et la blanche et hop, je racle les deux, je stampe et comme ça vous avez deux couleurs sur le motif. J'applique et nickel. On va prendre celui-là qui est pratiquement le même motif, sauf que, on va dire, c'est moins grand, c'est une ligne de poigne que je vais mettre, vous voyez, c'est super bien stampé, que je vais mettre au centre de mon ongle. J'adore. Le beau petit papillon là qui me faisait de l'œil, on y va. Pareil, sur deux tons, j'aime bien le combo. On racle et on stampe. Perfecto. Je nettoie et j'applique. Alors, convaincu? Je continue la petite étoile. Alors là, on va faire à une seule couleur hein, parce que vu le motif, c'était pas possible. Ça ferait pas beau. Impeccable. Et pour le pouce? Là, je continue. Comme vous l'aurez compris, cette plaque stampe très bien, marche très bien. Après, à vous de jouer avec les couleurs, les motifs. Ah, la feuille, la feuille. J'avais une petite idée. Je vais la mettre d'abord en doré. Comme ceci. Et pareil en blanc. Que j'amène un petit peu superposé à l'autre. Et voilà. La petite feuille. On revient avec nos deux couleurs. On racle. On stampe. Et on applique. L'espèce de soleil. Pour faire pareil sur le pouce. Bon, alors je sais pas si vous avez vu, mais j'ai enlevé les petits points que j'avais mis sur l'annulaire, le premier. Parce que bon, ça me plaisait pas trop. Je vais refaire les feuilles que j'avais fait sur le même annulaire. Et voilà. On vient mettre le top coat final. Alors franchement, convaincu, moi, par contre, à 100% sur la plaque. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu, je vous mets le lien en barre d'infos et je vous dis à très bientôt et puis à samedi pour une prochaine vidéo. Bye!